Bien-aimés, nous allons voir cette histoire de ce grand homme de Dieu. Beloved, we'll see the story of this great man of God. Cet homme selon le cœur de Dieu. This man according to the heart of God, after the heart of God. Cet homme qui a aimé Dieu. This man that loved God. Cet homme qui a servi Dieu de tout son cœur. This man that served God with all his heart. Mais nous allons voir un moment dans sa vie que cet homme était tombé. But we'll see there's a moment in his life that this man fell. Et cette histoire, ça doit être une référence pour nous. And this story has to be a reference for us. Pour nous montrer pourquoi il était tombé. To show us why he fell. Qu'est-ce qui a poussé ce grand homme de Dieu? What pushed this great man of God? Ce grand homme de Dieu qu'on appelle David. This great man of God called David. Cet homme qui adorait son Dieu de tout son cœur. This man that worshipped his God with all his heart. Cet homme qui a marqué son histoire sur la terre. This man that marked his lifetime on earth. Mais un moment de sa vie, cet héros est tombé. But this moment, there's a time in his life he fell. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais attirer votre attention ici. Beloved in the Lord, I want to get your attention here. Ce message est venu du trône de Dieu. This message came from the throne of God. Dieu m'a dit, parle de David à mon peuple. God told me to speak about David to his people. Et laisse-moi te dire ce matin déjà. And let me tell you this morning already. Dieu t'aime. God loves you. Ce que Dieu veut. What God wants. C'est de te récupérer. Is to get you back. Bien-aimé, quand Dieu pointe le péché dans ta vie. Beloved, when God points to sin in your life. Ce n'est pas pour t'humilier. It's not to humiliate you. C'est son amour vis-à-vis de toi. It is his love towards you. Tu sais que les gens que Dieu a rejetés. You know people that God has rejected. Dieu lui-même les a livrés. God even gave them up à la perdition. To perdition. Mais quand Dieu te ramène vers lui, but when God brings you back towards him, parce que Dieu, it's because God a un but dans ta vie, has a goal in your life. Parce que dans ce temps de la fin, because in this end time, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. God wants to do something in your life. Parce que dans ce temps de la fin, because in this end time, Dieu veut que tu sois son témoin. God wants you to be his witness. Mais le samedi, nous allons partager un message très puissant que Dieu m'a donné. In Saturday, we will share a powerful message that God gave me. Et vous allez comprendre l'amour de Dieu. And you will understand the love of God. Bien-aimé, je n'ai jamais compris l'amour de Dieu. Beloved, I never understood the love of God. Jusqu'à ce que quand Dieu m'a montré ce qu'il m'a montré pour le samedi. To the day God showed me for Saturday. L'amour de Dieu est incomparable et inconditionnel. The love of God is incomparable, unconditional. Tu ne sais pas comment Dieu t'aime. You don't know how much God loves you. Voilà pourquoi Dieu veut te récupérer. That is why God wants to get you back. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ce message pour toi. That's why he gave this message for you. C'est un message d'amour. It's a message of love. Je veux que tu te réveilles ce matin. I want you to wake up this morning. Regarde l'exemple du David ici. Look at the example of David here. Cet homme selon le cœur de Dieu. A man according to God's heart. La Bible nous dit quoi au verset 11? What does the Bible says in verse 11? La Bible nous dit ceci. The Bible says this. L'année suivante, au temps où le roi mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba, mais David resta à Jérusalem. It happened in the spring of the year of the time when kings go out to battle that David sent Joab and his servant with him and all Israel, and they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah, but David remained at Jerusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez bien ici. Beloved of the Lord, listen carefully here. David a toujours été un homme de combat. David always was a man of battle. David partait toujours dans le champ de bataille. He always went in the field, on the ground to fight. Mais ici, but here, David était devenu à l'aise. David was at ease. Il était arrivé au top de sa royauté. He got to the top of his kingdom. Il voyait qu'il, of his reign. Il était déjà arrivé. He saw that he had gotten there already. Au lieu d'aller au combat, instead of going to fight, David est resté. David remained. Le fait que David est resté, the fact that David remained, le diable est venu l'attaquer. The devil came to attack him. Premier message à retenir. First message to memorize. Écoute-moi encore. Listen to me once more. Vous savez pas ce qui se prépare. You don't know what's happening, what's preparing. Les choses mauvaises. The
bad things vont commencer sur la terre. Will start happening on earth. Retenez la parole que je vous dis aujourd'hui. Retain the word that I'm telling you today. Quand ces choses arriveront, tu te souviendras de moi. When these things will take place, you'll remember me. Et tu vas te souvenir de cette message ici. And you will remember this message. Au moment où nous sommes, at the time that we are, c'est le moment d'aller dans le champ de bataille. It's the time to go on the field of battle. Le champ de bataille, ça représente quoi? The field of battle, what does it represent? Pendant le temps où nous sommes, at the time that we are, c'est la prière. It's prayer. Quand on parle de champ de bataille, when we talk about the field of battle, pendant le temps où nous sommes, in the time that we are, c'est la prière. It's prayer. C'est le combat spirituel. It's spiritual warfare. Peu importe où Dieu va t'amener. Despite where God is taking you. Peu importe ce que tu auras. Despite of what you will get. Peu importe les enfants que Dieu va te donner dans cette conférence. Despite of the children that God will give in this conference. Ce que papa a dit est réel. What the father said is real. Ceux qui auront la foi auront leurs enfants dans cette conférence. Will receive the children in this conference. J'ai vu des femmes entrer de présenter les bébés au Seigneur. I saw women presenting their babies to the Lord. Et j'ai compris que Dieu va bénir les femmes stériles. And I understood that God will bless barren women here. Ce que papa dit ici, c'est vrai. What our father said here is true. Dieu va vous bénir parce que Dieu, il est votre papa. God will bless you because he is your father. Quand on parle de la restauration de la gloire de Dieu, c'est la bénédiction aussi. When we speak about the restoration of the glory of God, it's the blessing as well. Mais ce que Dieu veut. But what God wants. Que tu sois complet, complète. That you may be complete. Tu as la bénédiction. You have the blessing. Mais tu puisses aller au ciel. And you may go to heaven. C'est ce que Dieu veut. That is what God wants. Alors pour que le diable ne te séduise pas. So not to be seduced by the devil. Dans le temps où nous sommes. In the time that we are. Ce n'est pas le temps d'être à l'aise. It's not the time to be at ease. Peu importe la bénédiction que tu auras. Despite of the blessing that you will have. Sois toujours dans le champ de bataille. Always be in the field of battle. Sois toujours dans la prière. Always be in prayer. Sois toujours à l'église. Always stay in church. Bien aimé, si il y a les fausses églises. Beloved, if there's false il y a aussi churches, les vraies églises. There's also true churches. S'il y a les faux pasteurs, there's false pastors, il y a aussi les vrais pasteurs. There's also true pastors. Que personne ne vous trompe. May no one lie to you. À quel niveau Dieu va t'amener? In which level God will take you? Dans le temps où nous sommes. In the time that we are. Bien aimé, j'ai vu des choses horribles. Beloved, I saw horrible things. Si me permet, je vais vous les dire. If it allows me, I'll share it with sinon, you. Sinon, non. Otherwise, no. Dans le temps où nous sommes. In the time that c'est le temps de la prière. It's the time of prayer. C'est le temps du combat spirituel. It's the time of spiritual warfare. C'est le temps de la bataille. It's the time of battle. Ne sois plus jamais à l'aise. No longer be at ease. Peu importe l'argent que tu as dans le compte bancaire. Despite of the money you have in your account. Peu importe les maisons que tu as. Despite of the house that you have. Peu importe la richesse que tu as. Despite of the wealth that you have. Ne sois jamais à l'aise en ce moment ici. Don't be at ease at this moment. Le diable, the devil, son premier ennemi, c'est toi. His first enemy is you. C'est moi. It's me. Quand tu vas devenir à l'aise, when you'll be at ease, c'est là qu'il viendra. This is when he will come. David était devenu à l'aise. David was at ease. Il va envoyer he will son send troupeau. His army. Mais lui, il est resté. But he remained. Maintenant, en restant. But while he remained, quand il s'est promené, when he was walking, en contemplant son royaume, just looking at his kingdom, le diable va venir. The devil came. Est-ce que tu me comprends? Are you listening to me? Are you understanding? Église, tu me comprends? Church, are you understanding? Église, tu me comprends? Church, are you understanding me? Quand il était devenu à l'aise, when he was at ease, il envoie les autres pour combattre. He sent the others to fight. Il est en train de contempler ce que Dieu lui a donné. And he was looking at what God gave him. Le diable l'a frappé. And the devil struck him. Comment le diable l'a frappé? How did the devil strike him? Parce que il a vu. With what he saw. Ses yeux. His eyes. Mais si tu es dans le combat du bataille. But when you're out on the field of in a battle. Tes regards seront fixés au ciel. Your eyes will be turned towards the heaven. Dans le combat. In a battle. Tu es en train de parler en langue. You speak. Dans les champs de bataille, in the field of battle, tu es en train de réciter des versets. You giving verses. Dans les champs de bataille, in the field of battle, c'est les versets qui passent dans tes yeux. It's the verses that are going through your mais eyes. Si tu quittes les champs de bataille, but if you leave the field of battle, la séduction commence. Seduction will start. Elle voit une femme. You see a woman. Il voit une femme. You see a woman.
qui est en train de se baigner. That is taking a bath. Si David, if David, le diable peut le séduire, the devil was able to seduce him. Et toi? How much more you? Tu me comprends, Église? Are you understanding me, church? Et toi? And you? Et quand il voit? And when he see? Le diable. The devil. Rentre dans son cœur. Enter in his heart. La séduction l'a pris. Seduction took him. Je vais aller vite parce que nous devons prier. I'll go fast because we have to pray. Écoutez ici au verset 2. And verse 2 says, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful. Quand tu es dans les champs de bataille, tu ne vas pas voir des belles figures de femmes. When you're in the battlefield, you will not see a beautiful faces of women. Parce que ton esprit, because your spirit, est connecté au ciel, is connected to heaven. Les gens qui sont dans le champ du bataille, people that are in the battlefield, physiquement tu es là, physically they're there, mais ton esprit est connecté au ciel, but your spirit is connected to heaven. Tes yeux tournés vers Jésus, your eyes are turned toward Jesus. Tu n'auras pas le temps de voir des belles figures des autres femmes. You won't have the time to look at the beautiful face of other women. Toi un homme marié, you a married man. Toi une femme mariée, you a married woman. Tu n'auras pas le temps. You won't have the time. Mais pourquoi il a vu cette figure? Why did he see that face? Parce qu'il était à l'aise. Because he was at ease. En train de se promener. Walking around. Écoutez la suite ici, bien-aimé. Listen to the next part. Verset 3, David fit demander qui était cette femme et où. On lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. So David sent and inquired about the woman, and someone said, is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uri? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Then David sent messengers and took her, and she came to him, and he lay with her, for she was cleansed from her impurity, and she returned to her house. Pendant que les autres sont dans les champs de bataille, while others are in a battlefield, un héros du Seigneur est tombé. A hero of the Lord fell. Bien-aimé, ça c'était quelque chose de très grave vis-à-vis de Dieu. Beloved, this was something very, very bad before God. Et c'est ce qui se passe maintenant. And this is what's happening now. L'église est en train de tomber. The church is falling. À un niveau, vous ne savez pas. In a level that you don't know. Parce que le péché sexuel, because sexual sin, c'est caché. It's hidden. On le fait dans la chambre. We do it in the room. Personne ne te voit. No one sees you. Mais c'est le Saint-Esprit seulement qui voit. But only the Holy Spirit sees it. Église, vous m'écoutez? Church, are you listening to me? On voit des pasteurs nous prêcher. We see pastors preaching to mais us. Mais ceux qui font en coulisses. But what they do in a hidden place? Dieu seul sait. Only God knows. On voit les apôtres nous prêcher. We see the apostles preaching. Mais ceux qui font en coulisses. But what they do in a hidden place? Dieu seul sait. Only God knows. Nous voyons des choristes chanter. We see the choir members singing. Mais ce qu'ils font en coulisses, but what they do in the hidden, c'est Dieu qui voit. Only God sees it. Nous voyons l'église venir adorer Dieu. We see the church coming to worship mais God. Mais ce qu'ils font en coulisses, what they do in the secret, c'est ce que Dieu voit. Only God sees it. Et Dieu m'a dit l'église est tombée au plus bas. And God said the church has fallen in the lowest. Dans le péché sexuel. In sexual sin. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved of the Lord, je vais le dire à haute voix. I'll say it loud. Pendant que tu es sous ta couverture, while you're under your blanket, dans les quatre murs, in the four walls, et que personne ne te voit, and no one sees you, et que tu prends ta main, and you take your hand, tu es en train de manipuler cela dans la masturbation, and you masturbate. Jésus-Christ m'a dit de te dire qu'il voit ces choses. The Lord Jesus Christ told me to tell that he sees these things. Et le Seigneur te dit par son amour. And the Lord is telling you by his love. De se repentir de cela aujourd'hui sincèrement. To repent from it today sincerely. Et à partir de là, il va restaurer sa gloire dans ta vie. And from there, he will restore his glory in your life. Pendant ta couche. When you sleep. Ce que tu fais, what you do, dans tes pensées, in your thoughts, dans l'internet,
in internet, en regardant des films pornographiques, watching pornographic movies, les jeunes, young people, à l'église, at church, Dieu vous voit. God sees you. Je peux attendre un amen. Can I hear an amen? Je peux attendre un amen ce matin. Can I hear an amen this morning? Les jeunes à l'église. The young, the youth at church. Vous servez Dieu. You serve God. Mais en coulisses. But in a secret. Sous vos couvertures. Under your blankets. Vous êtes en train de regarder des films pornographiques. You're watching pornographic movies. Et Dieu voit ces choses. And God sees these things. La gloire. The glory. Est bannie. Has been banished. À l'église. In the church. Je peux attendre un amen. Can I hear an amen? Je peux attendre un amen. Can I hear an amen? Dieu m'a dit de dire à l'église. God told me to tell the church. Des choses qui se passent. Things that are happening. Dans le secret. In a secret. Et qui n'est pas dans les normes de sa parole. And it's not in the norm of his word. Ces choses vous ont souillé. This thing has defiled et you. Et ces choses ont retiré sa gloire au milieu de nous. And he has removed the glory among us. Il y a que des slogans. Des slogans. There's only slogan. Mais il n'y a plus la gloire. There's no more the glory. La culotte. The short. Est souillée. It's defiled. Personne ne voit. No one sees it. Mais l'ange a vu. But the angel saw it. Je peux attendre un amen. Can I hear an amen? Je peux attendre un amen très Can fort. Can I hear an amen? Je peux attendre encore un Can amen I hear très fort. Loud amen? Les parents. The parents. Réveillons-nous. Wake up. Regardons ce que les enfants regardent. Let us see what the children are watching. C'est horrible. It is horrible. Même les enfants de 5 ans. Even children 5 years old. Le diable les a séduits. The devil seduced them. En regardant la pornographie. Watching pornographic porn. Dans l'internet. In internet. Nous devons nous repentir. We have to repent. Et pour nous. Et pour nous. And for us. Pour nos enfants. And for our children. Dieu m'a dit si le péché de la masturbation. God spoke to me about the sin of masturbation. Les chrétiens nés de nouveau. A Christian born again. Qui parle en langue. That speak in tongue. Qui sert Dieu. That serve God. Mais qui sont dans la masturbation. But they are in masturbation. Un péché terrible. A horrible sin. Un péché horrible. A terrible sin. Si tu ne te repens pas de ça. If you don't repent from it. Tu ne verras jamais sa gloire. You will never see his glory. Je préfère te dire la vérité. I'd rather tell you the truth. Pour sauver ton âme. To save your soul. Est-ce que tu me comprends? Are you understanding me? Est-ce que tu me comprends? Are you understanding me? Est-ce que tu me comprends? Are you understanding me? Le péché sexuel n'est pas seulement ce que David a fait. Sexual sin is not only what David did. Ce que tu fais la masturbation. What you do in masturbation. C'est un péché sexuel. It's a sexual sin. Le péché sexuel qui est dans tes pensées. Sexual sin in your thoughts. David a commencé à tomber dans ses pensées. David started falling in his thoughts. Ce que tu regardes et ce que tu penses dans tes pensées. What you watching and what you think in your thoughts. Tu es déjà tombé. You have fallen already. Pourquoi le péché sexuel est si grave? Why is sexual sin so bad? Parce que ça détruit le corps. Because it destroys the body. Qui est le temple. That is the temple du Saint-Esprit. Of the Holy Spirit. Est-ce que vous m'écoutez? Are you listening to me? Église, vous m'écoutez? Church, are you listening to me? Église, vous m'écoutez encore? Church, are you listening to me? Le péché sexuel, sexual sin, c'est plus grave, is very bad, parce que c'est vers le corps. Because it goes towards the body. Tu détruis, you destroy, ton corps. Your body. Et l'église, nous parlons pas de ces choses. And the church, we don't talk about these things. Nous rentrons dans beaucoup de révélations. We enter in many revelations. Je suis pas contre les révélations. I'm not against revelations. J'aime les révélations. I love revelations. Mais Dieu m'a dit. But God told me. Toutes ces révélations qu'ils font. All these revelations they see. Si le cœur de ces gens-là. If the heart of these people. Ne se repent pas. Don't repent. Ils ne verront pas ma gloire. They won't see my glory. À quoi toutes ces révélations? What is for all these revelations? Si les gens ne se repent pas, if people don't repent, et si on n'y va pas dans la profondeur, and if we don't go in depth, de cette chose qui détruit la gloire de Dieu, of this thing that's destroying the glory of God. Aujourd'hui, quand on parle d'impudicité, d'adultère, today when we speak about fornication, ça devient adultery, des chansons.
It becomes music. Abandonner l'impudicité. Take fornication. Abandonner l'adultère. Adultery. On a minimisé ça. We minimize this thing. Ça devient quelque chose qu'on a minimisé. It's something that we minimize. Peuple de Dieu, écoute-moi. But people of God, listen to me. Les plus mauvais péchés. The worst sin. Les plus mauvais péchés dans nos the vies. The worst sin of all in our lives. C'est les péchés sexuels. It's sexual sin. Est-ce que tu m'écoutes? Are you listening to me? Est-ce que tu m'écoutes? Are you listening to me? Est-ce que tu m'écoutes encore ce matin? Are you listening to me this morning? Dis avec moi un amen très fort. Say a loud amen with me. Tu sais pourquoi le péché sexuel est mauvais? You know why sexual sin is bad? Tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu fais le péché sexuel? You know what happens when you commit sexual sin? Écoute, je vais te dire quelque chose. Listen, I will tell you something. Le plus impudique. The most defiled, unclean. C'est Lucifer. Is Lucifer. Le diable que vous voyez. The devil that you see. Il est plus impudique que vous ne savez pas. It's so immoral that you don't even know. Et c'est lui qui introduit ces choses. And he's the one introducing these things. Pour perdre l'humanité. To lose the humanity. À to get them lost. À chaque fois que tu as fait le péché sexuel. Every time you commit sexual sin. Tu as vendu ton âme au diable. You sold your soul to the devil. Et l'homme et la femme. The man and the woman. Que tu as commis cet acte. That committed this act. Tu as fait. You changed. L'échange. You exchanged. S'il était un sorcier. If he was a witchcrafter. Tu as pris sa sorcellerie. You took his witchcraft. Toi aussi si tu étais une sorcière. And if you were a witchcrafter. Tu lui as communiqué. You also communicated that to him. S'il avait 10 millions de démons. If he had 10 million demons. Il t'a transmis ces démons. He transferred this 10 millions. Vice versa. And vice versa. Vous savez pourquoi? You know why? Quand on commet les péchés sexuels. When we commit sexual sin. C'est un lien du sang. It's a covenant of blood. Et c'est à partir de là. And from there. Que les vies sont bloquées. That the lives are blocked. Dans le monde des ténèbres. In the world of darkness. À chaque péché sexuel. Every sexual sin. Il y a perte des années. There's losses of life. Voilà pourquoi à notre époque. That's why in our time, les gens ne vivent pas longtemps. People don't live long. Le but, the goal, péché sexuel, sexual sin. Je peux attendre un amen. Can I hear an amen? Je peux attendre encore un amen. Can I hear a loud amen? Je peux attendre encore un amen très fort. Can I hear a loud amen? Je peux attendre encore un amen costaud. Can I hear a loud amen? Je peux attendre encore un amen puissant. A powerful amen. Je peux attendre un amen très fort. A loud amen. Je peux attendre un amen très fort ce matin. A great amen. Je peux attendre un amen très fort. A great amen. Si on a minimisé le péché sexuel, we minimize sexual sin. Dieu m'a dit d'annoncer ça avec force et puissance. God told me to announce with strength and force. C'est le péché sexuel. It's sexual sin. Qui a banni sa gloire. That took away his glory. À l'église. In the church. Et dans nos vies. And in our lives. Et vous connaissez les conséquences qui a suivi David. And you know the consequences that followed David. Le péché sexuel est accompagné toujours des mensonges. Sexual sin always follows with lies. Le péché sexuel est accompagné toujours des meurtres. It always follows with a murderer. Le péché sexuel attire beaucoup de choses. And it attracts many bad things. Et David va tout faire. And David will do everything. Pour d'abord, quand la femme tombe enceinte. Only when the woman was pregnant, got pregnant. Il va manipuler. He will manipulate. Que le mari de cette femme qui était son officier. That the husband of this wife that was his he was in his army. Puisse rentrer. May enter. Et puisse coucher avec cette femme. May lay with that woman. Afin que cet enfant là qu'on dise que c'est l'enfant de ses maris. So they say that that child belongs to her husband. Mais vous savez quand le regard de Dieu est sur toi. But you know when the eyes of the Lord is upon you. Dieu fera tout pour t'exposer. God will do everything to expose you. Mais pour te sauver. But to save you. Beaucoup de femmes ont fait ces choses. Many women did these things. Tu es tombé enceinte d'un autre homme. You got pregnant of another man. Et tu as donné ça à un autre homme. And you gave it to another one. Dieu te demande aujourd'hui. God is asking you today. De te repentir sincèrement. To repent sincerely. Parce que les conséquences de ces choses. Because the consequence of these things. Est en train de retomber dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Is falling in your life up to this day. Tous les problèmes que tu vois dans la vie de tes enfants. Of every problem you see in your children's life. Tous les problèmes que tu vois dans ta vie. Every problem you see in your life. La source. The source. C'est ça. Is that. Et toutes les femmes qui ont fait ces choses. And every woman that committed that sin. Pendant le temps de la prière ici. At the time of prayer here. Time of prayer.
Le Seigneur m'a révélé ça. The Lord revealed that to me. Que ces femmes puissent se repentir sincèrement. That this woman may repent sincerely. De tout leur cœur. With all their heart. On dit un amen très fort. With loud amen. Un amen encore très très fort. A loud amen. Je vais aller vite pour continuer. I'll go quick so we Nous may continue. Nous sommes dans le verset 11. I'll go to verse 11. Il répondit à David. And Uriah said to David. Il dit l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. The ark and Israel and Judah are dwelling in tents. Mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. And my Lord Joab and the servants of my Lord are encamping in the open field. Shall I then go to my house to eat and drink and to lay with my wife? L'arche était sous des tentes. The ark was under the tents. Et cet homme avait le souci de l'arche de l'Éternel. And this man had the worry, the concern of the ark of the Lord. Qui représente la présence de Dieu. That represents the presence of God. Mais David. But David. Il est en train de tomber dans le péché. He was falling into sin. Mais cet homme ici. But this man here. Il a refusé d'aller boire. He refused to go drink. D'aller manger. To go eat. Et d'être avec sa femme. And to be with his wife. Parce que son souci. Because his worry. Était d'abord l'œuvre de Dieu. Was first the work of God. La restauration de la gloire de Dieu. The restoration of the glory of God. Ça demande quoi? What does he ask for? Deuxième chose. The second thing. Tu dois aimer Jésus-Christ de tout ton cœur. You have to love the Lord Jesus Christ with all your heart. De toute ton âme. With all your soul. De toute ta pensée. With all your thoughts. Et de mettre le Seigneur avant toute chose. And to place the Lord before everything. Ta femme. Your wife. Tes enfants. Your children. Ton mari. Your husband. Viendront toujours en deuxième position. They always come in a second position. Église, est-ce que tu m'écoutes? Church, are you listening to si me? Si tu m'écoutes, dis un grand If amen. If you listen to me, say a amen. Je vais attendre un amen très fort. A great amen. Je vais attendre un amen puissante. A powerful amen. Je vais attendre un amen costaud. A powerful amen. Dans le temps où nous sommes. In the time that we are. C'est le temps de mettre d'abord le Seigneur avant. It's the time to put the Lord first, please. Les maris. The husband. La femme. The wife. Les enfants. The children. En deuxième position. In second place. Si la gloire de Dieu est restaurée dans ta vie. If the glory of God is restored in your life. Tu vas bien vivre avec cet homme et cette femme là. You will live well with this man and that woman. Et avec tes enfants. And with your children. Quand toi la gloire de Dieu est restaurée dans ta vie. When the glory of God will be restored in your life. Ça mettra tes enfants dans la protection. You will put your children in protection. Ta famille dans la protection. Your family in protection. L'autre messie a compris. The other man understood. Mais David n'avait pas compris. But David did not understand. C'est une leçon. It's a lesson. Que Dieu nous dit ce matin. That God is giving us this morning. Pour celles qui veulent vivre la restauration de la gloire de For Dieu. For those that want to lead the restoration of the glory of God. Mets Dieu en première position. Put God in first place. L'œuvre de Dieu en première position. The work of God first place. Cherche d'abord que la gloire de Dieu. Seek first that the glory of God. Soit restaurée dans ta vie. May be restored in your life. Comment on cherche que la gloire de Dieu soit restaurée? Comment on cherche ça? How do we seek that the glory of God may be restored? Il y a des choses que tu vas d'abord te priver de ça. There are things that you would deprive yourself from. Donc ça veut dire dans le jeûne. That it means in fasting. Et dans la prière. And prayer. On dit amen, église. We say amen, church. Et puis quand la gloire de Dieu est restaurée. When the glory of God is restored. Tu vivras en paix. You will live in peace. Avec ta famille. With your family. Et quand David est tombé. And when David fell. Je vais aller vite. I'll go quick. Parce que je vois les gens sont fatigués. I see people are tired. Écoute les jugements que Dieu va prononcer. Listen to the judgment that God will pronounce. Nous sommes dans le livre de Samuel 12. We're in the book of 2 Samuel 12. Écoute ce que le péché sexuel produit. Listen to what sexual sin produces. Les conséquences du péché sexuel. Consequences of a sexual sin. Le verset 10, il dit quoi? Verse 10, what does it say? Ça maintenant c'est Dieu qui donne le jugement à David. Now this is God giving the judgment to David. Il dit maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. He says now thereof the sword shall never depart from your house. Parce que tu m'as méprisé parce que tu as pris la femme d'Iri, le Hétien pour en faire ta femme. Because you have despised me and have taken the wife of Uri the Hittite to be your wife. Il dit ainsi par l'Éternel, voici je veux faire sortir de ta maison les malheurs contre toi.
He said, "Thus says the Lord, behold, I will raise up adversity against you. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. From your own house, and I will take your wives. Pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vie de ce soleil. Before your eyes, and given them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of the sun." Il dit, quand tu agis en secret, moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. He said, "For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel, before the sun." Tu sais, souvent les gens viennent pour que nous prions pour eux. You know, sometimes people come for us to pray for them. Et souvent, il n'y a pas de réponse, vous savez pourquoi? And sometimes there's no answer, you know why? Parce que ces gens-là doivent régler des choses avec Dieu. Because these people have to fix things with God. Ce n'est pas parce que ces hommes-là ont manqué l'onction. It's not because these men lacked anointing. Ce n'est pas parce que les pasteurs ont manqué l'onction. It's not because the pastor didn't have anointing. Mais il y a un problème qui s'est passé dans ta vie. But there was a problem that happened in your life. Et que tu n'as jamais réglé ça avec Dieu. And you never solved it with God. Et le ciel t'est fermé. And the heavens are closed. Et la malédiction te poursuit. And curse is behind you. Et tant que ces choses n'est pas réglées avec Dieu. And since these things are not solved with God. Je peux t'imposer des mains. I can lay my hand on you. Je peux mettre une bouteille d'huile sur ta tête. I can anoint you with oil. Tu n'auras pas la réponse. You won't get an answer. Église, on dit amen. Church, say amen. Église, on dit encore un amen très fort. We say a loud amen. Tu peux changer des églises. You may change churches. Tu peux avoir 10, 20 prophètes. You may have 10, 20 prophets. Mais tant que tu n'as pas réglé ces problèmes avec Dieu. But as long as you haven't fixed this problem with God. Tu n'auras pas la solution à tes problèmes. You won't have a solution to your problems. Et ce que Dieu te demande aujourd'hui. And what God asking you today. Dieu veut ouvrir le ciel dans ta vie. God wants to open heaven in your life. Dieu veut restaurer ta vie à un niveau tu n'as pas l'idée. God wants to restore your life in a level that you may can't imagine. Dieu veut faire, il veut manifester son amour dans ta vie tu n'as pas l'idée. He wants to manifest his love in your life you can't imagine. Dieu veut ressusciter et restituer tout ce que le diable a volé dans ta vie. God wants to resurrect and restore everything the devil stole in your life. Mais la condition. But the condition. Dieu te dit tu dois d'abord te repentir. God is telling you have to repent first. De tous les péchés sexuels. From all sexual sin. On a vu des conséquences ici très fortes. We saw strong consequences here. Malgré David s'est repenti. Despite that David repented. Mais les conséquences l'ont poursuivi. But the consequences followed him. Son fils l'a détrôné du trône. His son actually overthrew him. L'inceste était rentré dans sa famille. Sin in family get into the family. David a vécu un moment d'humiliation terrible. David lived a moment of humiliation. Et le Seigneur m'a dit de vous dire. And the Lord told me to tell you. Tous les problèmes que nous sommes en train de vivre sur la terre. Every problem that we're living on earth. Cette source, c'est des conséquences des péchés sexuels. This is the source of a sexual sin. Et si aujourd'hui. And if today. On se repent sincèrement. We repent sincerely. Le ciel va s'ouvrir sur nous. Heaven will be open upon on us. On peut dire un amen très fort. Can you say a loud amen? On peut dire un amen très 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 fort. A loud amen. Et tu verras que. Quand tu vas aller dans des conférences, and you see when you go to conferences, ça ne sera plus pour aller demander. You will no longer be to go ask. Les chrétiens nous sommes devenus comme des mendiants. Christians, we became like beggars. Ça sera quand tu vas à la conférence c'est pour rendre gloire à Dieu. It will be when you go to conference to give glory to God. Parce que, écoute mes amis. Because listen, my friends. Dieu est ton papa. God is your father. Tout ce qui est à ton papa t'appartient. Everything that belongs to your father belongs to you. Je t'annonce aujourd'hui que Dieu il est ton papa. I'm announcing you today that God is your father. Je t'annonce encore que Dieu c'est ton papa. I repeat that God is your father. Je répète encore que tu as un papa. I repeat once more that you have a father. Mais pourquoi tu souffres? Why are you suffering? Quelque chose ne va pas. Something is wrong. Est-ce que tu m'écoutes? Are you listening to me? Et Dieu veut que tu retournes dans la relation d'une fille à son père ou bien d'un fils à son papa. And God wants you to go back in a relationship of a father from Dieu a father to a daughter, daughter to a son to a father. Tu sois comme une mendiante quand tu vas là, donne-moi ça, donne-moi ça. You became like a beggar when you came, give me this, give me that. Mais dans le temps nous sommes, ça révolte le cœur de Dieu. Beloved, the time that we are, that gets the father angry. C'est comme si tu es un étranger dans sa présence. It's as if you are a stranger in his presence. Mais Dieu veut à partir de cette conférence. But God wants starting from the conference. Que ta relation. That your relation. Soit renouée avec lui. May renewed with him. La relation d'une fille à son père. The relation of
daughter with a father. Et d'un fils à son papa. And of a son with a father. Comment? How? Dans la repentance. In repentance. Parce que ce qui t'a séparé avec Dieu. Because what separated you from with God? C'est le péché sexuel. It is sexual sin. Les autres vont me dire non. Others will tell me no. Depuis que j'ai reçu le Seigneur, ever since I have received the Lord, j'ai confessé tous mes péchés sexuels. I confess all my sexual sin. Dieu m'a dit de vous dire. God told me to tell you. Vous avez fait des confessions dans l'orgueil. You made the confession in pride. Et vous avez fait des confessions superficielles. And it was a superficial confessions. Je vais finir ici. Vous allez aller avec moi dans le livre des Psaumes 51. I'll finish here, and you go with me in the book of Psalm 51. Je vais dire à notre papa de nous faire la lecture. I'll ask our father to read for us. Pendant que je vous parle, il y a des anges de Dieu dans la salle. As I speak, there are angels of God in the hall. Fred, tu peux te réveiller? Tu es fatigué? Arrête de dormir, Yaya. Ce n'est pas le moment de dormir. Allez-y, papa. Psaume 51. Oui. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Parole du Seigneur. Amen. Peuple de Dieu. People of God. Ce psaume ici. The psalms here. Prends ça comme un modèle. Take it as a model. Amen. Vous savez pourquoi David a trouvé grâce devant Dieu? You know why David found favor before God? À cause de son humilité. Because of his humble heart. David était un homme très très humble. David was a very humble man. Si tu veux que l'histoire de ta vie change aujourd'hui dans cette conférence. If you want the history of your life to change in this conference. Que ce modèle
de ce psaume ici. Take the motto as this psalm. Sois un modèle pour toi. Let it be a motto for you. Le roi Saul, the king Saul, n'a pas péché comme David. Did not sin like David. David a beaucoup péché plus que le roi Saul. David sinned even more than the king Saul. Qu'est-ce qui a fait que David puisse trouver grâce devant Dieu? What did David to find grace before God? Bien-aimé, l'humilité de son cœur. Beloved, the humbleness of his heart. Je t'appelle ce matin. I remind you this morning. À devenir humble devant la présence de Dieu. To be humble before the presence of God. Peut-être tu es là, tu vois déjà l'histoire de tous les péchés sexuels que tu as commis. Maybe you here, you can see the history of the all sexual sins you committed. Laisse-moi te dire, Dieu ne te condamne pas. Let me tell you, God does not condemn you. Laisse-moi te dire, Let Dieu me tell t'aime. You, God loves you. Peu importe tous les dégâts sexuels que tu as fait. Despite all the sexual sins you committed. Dieu est ton papa. God is your father. Ce matin, this morning, il est prêt à te pardonner. He's ready to forgive you. J'ai dit, il est prêt à te pardonner. I said he's ready to forgive you. Je parle encore très fort, il est prêt à I te repeat, pardonner. He's ready to forgive Je le répète encore très fort, il I est prêt à te more, pardonner. He's ready to forgive you. Peu importe combien de hommes que tu as connus dans ta vie. Despite how many men you met in your peu life. Peu importe combien de femmes. Despite how many women you went peu with. Peu importe des choses horribles que tu as fait. Despite the horrible things you've done. Ce que Dieu te demande ce matin. What is God is asking you this morning? Que ce psaume. That this psalm. Soit un point de repère. Be a key point. Un point de repère. A key point. Bien-aimé, beloved, quand je parle d'aller aller au ciel, when I talk about going to heaven, c'est juste la grâce. It's just the grace. Le pardon de Dieu, the forgiveness of God, c'est la grâce. It's the grace. Pour que tu sois sauvé, for you to be saved, bien-aimé, c'est la grâce. Beloved, it's the grace. Mais comment obtenir la grâce? But how to obtain the grace? Ça demande l'humilité de ton cœur. It depends of the how humble your heart is. L'humilité, humble. Ça veut dire quand tu reconnais. It means when you understand. Tu reconnais le tort que tu as fait à Dieu. When you acknowledge the evil you've done to pas God. Pas le tort que tu as fait à ton pasteur. The evil you've done to your pastor. Pas le tort que tu as fait à moi. The evil you've done to me. Moi, je n'ai pas le pouvoir de te pardonner. I don't have the power to forgive you. Mais qui a le pouvoir de te pardonner? But who has the power to forgive you? C'est Jésus-Christ de Nazareth. It's Jesus Christ of Nazareth. Je le répète encore ce matin, c'est Jésus-Christ. I repeat once more, it's Jesus Christ. C'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. Il est prêt à te pardonner ce matin. He's ready to forgive you this morning. Mais c'est qui te demande? But what he's asking you de reconnaître is to acknowledge et d'humilier ton âme and to humble your heart et de lui dire pardon and to tell him forgive me que ce pardon là that made this forgive vient the du forgiveness fond de ton cœur come from the depth the profound side of de your heart de reconnaître qu'il est le plus grand you may acknowledge that he is greater than you l'humilité commence où where does the humbleness start from quand tu te vois tu es petit when you see that you are small peu importe les études que tu as fait despite the studies you've done peu importe les licences que tu as despite the diplomas you have peu importe les doctorats que tu as despite all the papers you have peu importe tout ce que tu as despite everything you have quand tu te vois que tu es petit petite when you see that you are small et que tu reconnais and you acknowledge que sans ce Dieu là without this God tu ne pourras rien faire you'll be able to do nothing c'est là que la grâce de Dieu commence this is where the grace of God begins. Je peux attendre un amen. Can I hear an amen? Je peux attendre encore un amen Can très I hear fort. A loud amen? Je peux attendre encore un amen très très Can fort. Can I hear a loud amen? À cause du temps, on ne peut pas tout expliquer parce que c'est beaucoup. We can't explain everything because it's a lot. Mais vous allez prendre le temps d'aller lire tous ces chapitres et comprendre pourquoi David a eu miséricorde devant Dieu. And you read the whole chapter and you understand why David obtained forgiveness from God. Quand on lit ici le verset 19, la Bible dit quoi? When we read verse 19, what does the Bible say? Il dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Les sacrifices qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Je répète encore, c'est un esprit broken spirit. C'est un esprit. A broken spirit. C'est le secret que je te livre ce matin. This is the secret that I give you this morning. Peu importe tous les péchés que tu as commis, bien-aimé. Despite every sin you've committed, beloved. Les hommes de la terre t'ont déjà condamné. Men of earth already condemned you. Mais laisse-moi te dire. But let me tell you. Le secret. The secret. Que ton esprit soit brisé. That your spirit may be broken. Pas devant les hommes. Not before men. Mais devant Dieu. But before God. J'ai dit devant Dieu. I said before God. Et c'est à partir de là. And it starts from there. Quand Dieu verra cet esprit qui est brisé. When God will see this broken spirit. Dieu va te pardonner. God will forgive you. Et quand Dieu va te pardonner. And when he will forgive you.
toutes les conséquences de ces péchés sexuels. Every consequence of the sexual sin vont partir. Will go away. Et quand ça va partir, and when it will go away, laisse-moi te dire, let me tell you, la gloire de Dieu, the glory of God, sera restaurée, will be restored, dans ta vie, in your life. Vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit? You know what God told me? Les gens que nous voyons comme si c'est fini dans leur vie. People that we see as if it's over in their life. Des gens que nous jugeons. People that we judge. Dieu m'a dit, ma fille, ce sont ces gens-là que moi je vais restaurer. God told me these are the people that I will restore. Dans ce temps ici. In his end time here. Et puis il m'a dit, ça va étonner beaucoup de gens. And he said it will astonish many people. Mais le secret. But the secret. Un esprit. A spirit. Brisé. It's broken. Broken spirit. Cette première partie de notre conférence. This first part of our conference. Tu vas retourner jusqu'à ta jeunesse. You will go back to your youth. Quels sont ces hommes que tu avais commis? What are these men that you had relation with? Les femmes que tu as connues. The woman you have relation with. Tu vas répandre ton cœur. You will pour out your heart. Devant Dieu. Before God. Dans la repentance. In repentance. Et quand tu le feras. And when you will do it. Prends-moi sur parole. Believe me, this word. Ta vie va être restaurée. Your life will be restored. Tous les problèmes que tu as ramenés ici. Every problem you brought here. Ça va rester ici. Will remain here. Je peux attendre un amen. Can I hear an amen? Je peux attendre encore un amen très Can fort. Can I hear a loud amen? Je peux attendre encore un amen puissante. A mighty amen. Je peux attendre encore un amen très fort. A great amen. Tu n'auras même pas parfois besoin que moi je te délivre. Je passe toute la nuit avec toi en te délivrant. And you won't even need me to spend nights si with Dieu you to deliver you. C'est quelque chose de 5 minutes. And he will deliver you and it will be something of 5 minutes. Et toutes tes malédictions and all your curses vont rester ici. Will remain here. Mais un esprit but a broken spirit brisé. A broken spirit. Et nous allons faire and we will do aujourd'hui. Today. Moi j'ai pas beaucoup de force. I don't have much strength. Je vais donner le micro à mon mari. I'll give the mic to my husband. Le samedi, je vais faire le service avec vous, le temps de récupérer. And the Saturday, I'll do the service with you, the time just to get my energy. Mais je t'en supplie. But I beg you. Pendant ce moment de la repentance que nous allons faire. During this time of repentance that we will do. Que le Saint-Esprit mène l'esprit de la repentance. May the Holy Spirit put the spirit of repentance. Bien-aimé, ce moment. Beloved, this moment. Ou à jamais. Is either now or never. Si tu rates. If you miss. Ce rendez-vous ici. This meeting here. Il n'y aura pas un autre rendez-vous. There may not be another meeting. Pour toi. For you. C'est aujourd'hui. Is it now? Tu vas confesser tous ces péchés. You will confess all the sins. Toi et ton Dieu. You and your God. Pas devant moi. Not before me. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu as fait. I don't need to know what you have done. Mais tu vas dire ça à ton Dieu. But you will say that to your God. Et après cette repentance. And after this repentance. Tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie. You will see what God will do in your life. Je vais finir par là. I will end by here. Je vais passer le micro. I'll give the mic